Citroën va lancer une nouvelle série pour la IC4. Alors, est-ce qu'il y a une augmentation de l'autonomie? J'imagine que non, c'est juste voilà, c'est juste cosmétique, hein. Les vendeurs de Citroën vont avoir des devoirs le jour de la rentrée. Il faudra apprendre la nouvelle gamme du constructeur qui a décidé de simplifier l'offre de ses modèles. Trois finitions, U, Plus et Max. Certains véhicules profiteront en plus d'une série spéciale nommée e-Series. Comme son nom le suggère, elle concerne des modèles électrifiés de Citroën, à commencer par l'IC4. Cette version mise sur un look chic, la silhouette biton avec un toit noir et de série. C'est d'ailleurs la première fois que la C4X profite de cet effet esthétique, qui permet de créer une continuité entre le pare-brise et le vitrage. Sur la 5 portes, les montants sont également peints en noir, et des modèles reçoivent des coques de rétroviseur noir. Les jantes de 18 pouces passent aussi au full black, la couleur officielle, et le blanc nacré. Bon, sinon voilà, après, on nous vend évidemment cette voiture, avec tous ses avantages, toutes ces nouveautés, hein, est-ce que c'est bien de tout lire? Je sais pas, en vrai. Pour les C4, la série spéciale basée sur le niveau intermédiaire plus, avec une notation échelée de l'accès des marges manuelles. Nouveau système d'infodivertissement My Citroën Drive Plus. Les deux configs techniques sont au programme. En plus du moteur 136 chevaux et de la batterie 50 kWh, on retrouve le bloc 156 chevaux et la batterie 54 kWh. Avec elle, l'autonomie grimpe de 360 à 420 km. Oh. Les commandes seront ouvertes dès le 4 septembre à partir de 44 000 euros. Aïe, aïe, aïe. 44 000 euros, mais enfin, je. Non, en fait. Et 44 700 euros pour l'IC4X. Non, mais excusez-moi, mais là, bon, c'est plus cher qu'une Model 3 restylée. Et ça a 100 km d'autonomie en moins. Littéralement, hein. Bon, à 7 ou 8 km près. Pour la version 19 pouces. Sachant que la version 18 pouces de la Tesla enregistre 540, je crois. Mais, enfin, dans les commentaires, dites-moi qui achète ça en fait? À part les fanas de. Les bandeurs de Citroën. Qui achète ça vraiment, hein? J'aimerais une réponse claire. Je comprends pas comment on peut acheter ça en fait. Quand on voit la concurrence à côté, quoi. Après, voilà. À vous de me dire. Allez, je vous laisse commenter.